Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, il y a de la tricherie dans l'air, à la Coupe de France. Lors de la journée porte ouverte, Cardonnet est mis au pilori. De son côté, Mehdi cale au moment du dessert. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Mardi 21 mai dans Ici tout commence. Tessier est viré de la Coupe de France-Bretagne, Lionel veut confronter Djiman, certain qu'il est derrière le sabotage dont Kelly a été victime depuis le début de la Coupe de France. Mais sa petite amie, ainsi que Salomé, ont des doutes sur la culpabilité de leur concurrent. Elle préfère rester concentrée sur la compétition car le seul espoir de réintégrer l'institut est de la remporter. Un peu plus tard, les chefs de l'Obel Rossé annoncent le sujet de l'épreuve finale, chaque brigade devra réaliser un décor tout en pâtisserie autour d'un thème imposé qui sera dévoilé le jour J. Connaissant l'intérêt de la chef Rossé pour la cuisine florale et la passion pour le Japon du chef de l'Obel, Tessier propose à sa brigade de s'entraîner sur un décor de cerisier en fleurs. Cela donne des idées à Kelly qui accepte de s'entraîner dans ce sens. Si Maya trouve leur coach très sûr de lui, Salomé pense qu'il s'agit d'une simple hypothèse. Pendant ce temps, de l'Obel reçoit un message anonyme l'alertant que les sujets de l'épreuve finale ont fuité. Il en parle à Rosé afin de définir la marche à suivre pour éviter une tricherie. La chef suggère de jeter un œil en cuisine afin de vérifier sur quoi les brigades ont décidé de s'entraîner. De leur côté, Jasmine, Jim et Landiras réfléchissent à un décor pâtissier sur lequel s'entraîner. Depuis le début de la compétition, Jasmine a remarqué que toutes les recettes qu'il devait réaliser au cours des épreuves avaient un lien avec la Bretagne. Elle décide donc de tirer ce fil rouge et propose de s'entraîner autour d'un décor de plage bretonne. Alors que tout le monde se met au travail, Maya se rend à la réserve pour aller chercher des paquets de pistaches. Elle tombe sur Malik qui les a tous pris. Maya essaye de le convaincre de lui en donner un. Malik la pousse à lui demander gentiment. La jeune fille réussit à lui piquer un paquet et part avec en courant, tandis que Malik lui court après et finit par le reprendre. Désormais agacée, Maya traite Malik de fourbe et de lâche. La tension est à son maximum lorsque Malik révèle à sa concurrente qu'il a terriblement envie de l'embrasser. Face à l'étonnement de Maya, le jeune homme lui donne un paquet de pistaches et la laisse en plan. En cuisine, de l'Obel et Rossé observent la brigade de Kelly en plein travail. Ils se rendent compte qu'ils s'entraînent sur le sujet de l'épreuve finale, un cerisier en fleurs, juste au moment où de l'Obel a été alerté d'une fuite. Il insinue donc que Tessier a triché. Ce dernier se défend en affirmant qu'il a simplement deviné le sujet de l'épreuve. Mais cela ne convainc pas de l'Obel qui décide de le virer de la compétition. À partir de maintenant, la brigade de Kelly va devoir continuer sans coach. Vic vient en aide à Mehdi au studio, Mehdi bosse sur son concept de bonbon trompe-l'œil, qu'il va bientôt devoir présenter devant un jury professionnel dans le cas du Master. Il présente à Hortense son réglisse géant. Même s'il est réussi, Mehdi estime qu'il doit aller encore plus loin dans ses idées et explorer tout le côté régressif de la cuisine. Avec sa femme, il réfléchit à un menu composé uniquement de desserts. Pour l'entrée dessert, Mehdi réalise des sphères à la fraise. Hortense goûte et valide. Pour le dessert, Mehdi réalise des sphères tout en chocolat et café. Hortense souligne que cette dernière saveur est un peu trop adulte.
Mehdi note son retour, puis avoue qu'il n'a pas d'idée pour son plat dessert. Il propose de suivre le conseil qu'Hortense applique en cas de manque d'inspiration, aller se balader. De retour au studio après leur balade, Mehdi et Hortense découvrent une assiette composée de sphères vertes et marron. Après avoir goûté, ils reconnaissent une association de noix de pécan caramélisées, de pommes vertes et de yuzu, soit une association qui serait parfaite pour le plat dessert du menu de Mehdi. Le couple se met alors en tête de trouver qui a réalisé cette recette. Enzo vient leur prêter main forte pour tenter de deviner qui est derrière cette assiette. Hortense et Mehdi émettent plusieurs suppositions lorsque Vic les rejoint. Elle finit par leur avouer que c'est elle qui a réalisé cette assiette. Mehdi est super impressionné par son niveau. Vic est très flatté. Cardone recherche les coupables et alors qu'Antoine compte sur Cardone pour assurer la journée porte ouverte, Seth a d'autres préoccupations et le charge de s'occuper de tout. Plus tard, Cardone accompagne Antoine vers l'internat et découvre avec stupeur que des banderoles dénonçant son comportement tyrannique ont été accrochées aux balustrades. Outré, Cardone charge le directeur adjoint de les retirer sur le champ pendant qu'elle cherche le responsable. Témoin de la scène, Billy jubile. Plus tard, Cardone réunit les élèves au doubla. Si Léonard et Bérénice s'inquiètent d'avoir été grillés, Billy est totalement confiante. La directrice accuse les élèves de diffamation, mais annonce finalement qu'elle ne compte pas rechercher les coupables pour les punir. Elle déclare que leurs résultats scolaires sont tout ce qui compte pour elle. Cardone retrouve ensuite Olivio dans le parc afin de se renseigner sur la réaction générale des élèves suite à son discours. En apprenant qu'ils ont été rassurés, Cardone se félicite. Elle a l'intention de piéger les coupables, en proposant un vote aux élèves concernant leur cursus, elle est persuadée que les élèves qui veulent attaquer vont en profiter pour lancer une nouvelle offensive contre elle. Ainsi, ils se démasqueront eux-mêmes. Pour cela, Cardone compte évidemment sur l'aide de Livio qui la lui assure sans réserve.